on a trouvé un moyen de sauver des milliers d'espèces d'un seul geste. Et pour ça, il suffit d'appuyer sur un bouton. Il y a tellement d'histoires dont j'aimerais vous parler. Alors, je vais en choisir une parmi des milliers. C'est l'histoire de Madame Verluisant, cette petite lumière sous les étoiles. Elle s'allume pour attirer les mâles. Mais là, il se passe quelque chose de grave. Vous voyez ce lampadaire ? Le mâle peut-il distinguer la femelle face à une si grande lumière ? Non. Il va s'épuiser autour de la lampe, à la recherche de sa partenaire. Et la femelle restera désespérément seule dans son dernier îlot de nuit. L'éclairage nocturne crée des milliers de petites et de grandes tragédies pour les êtres vivants qui vivent la nuit. De simples lumières entraînent la mort de milliers d'animaux ou leur créent des barrières infranchissables. Si nous avons un peu d'humanité, laissons-leur une place. Laissons une place à la nuit. Laissons une place à la nature. Aujourd'hui, dans toute Auvergne-Rhône-Alpes, des volontaires se mobilisent pour faire passer ce message. Éteignons les lumières de nos villes juste le temps de quelques heures pour laisser la vie s'épanouir. Alors, vous voulez revoir les étoiles ? Est-ce que vous faites partie de ceux pour qui la nature et le vivant sont importants ? Alors, votez pour le projet La nuit, je vis. Votez pour protéger la nuit, pour laisser une place à la nature pour qu'elle puisse exister parmi nous.